vigne là, c'est Zilga, c'est une vigne qui est extrêmement rustique, elle pousse en Russie. C'est une vigne qui vient de la toundra russe. Elle est résistante à moins 35, moins 40. Elle donne du raisin mi-août en Bretagne. Donc il y a de grandes chances qu'elle donne du raisin mi-août ici aussi. C'est un raisin qui a un goût cassis framboise et c'est résistant à toutes les maladies, il n'y a rien qui la désingue. Donc lui c'est le rouge. Là celui-là c'est Calastra, donc c'est un autre raisin russe blanc, pareil, qui est très précoce, très rustique. Ces deux-là, c'est les deux sols qu'on peut mettre un petit peu partout sur tous les coteaux montagnards. Et ça permet d'avoir du raisin en montagne, quoi. Après, il y en a un autre raisin blanc que j'ai mis avec, enfin les deux poussent ensemble, c'est l'Aquemont. Donc lui, c'est un blanc sans pépin, qui est pas très précoce. Hein. Il est mature en fin septembre dans le sud de la France, donc il y a de grandes chances qu'il soit mature mi-octobre ici, voire peut-être plus. Mais là, je l'ai mis là en fait pour pouvoir faire les tests justement avec la sauge, parce que c'est une vigne qui est sensible au mildiou et à l'oïdium. Donc du coup, j'ai mis des pieds de sauge. Et donc on se retrouve à avoir des séquences de vignes où à chaque fois il y a 4 vignes, il y en a 2 avec la sauge, 2 sans sauge. Et là c'est pareil sur tout le long aussi, il y en a 2 avec sauge, 2 sans sauge, 2 avec sauge, 2 sans sauge. Et pour pouvoir augmenter le test, je me suis dit ce qui serait bien c'est de prendre une autre plante qui soit sensible au mildiou. Vu que c'est souvent le mildiou qui touche les vignes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante qui sont sensibles au mildiou, vous en connaissez? La tomate. Ouais, la tomate. Pomme de terre. Et donc du coup je me suis dit je vais faire grimper des tomates sur les vignes. Et si jamais les deux chopent le mildiou en même temps, elles sont malades en même temps, et alors que les deux voisines qui ont une sauge sont pas malades, là on aura vraiment un test flagrant sur deux plantes. Ça permet de valider un peu plus le truc. Donc ça on a lancé une recherche un peu dans toute la France. On a proposé à plein de viticulteurs de faire des parcelles tests, enfin des zones où ils vont faire un rang de vignes qui ne traite plus et où ils vont mettre sauge ou pas sauge, et de pouvoir à terme avoir la preuve par neuf des professionnels sur leur terrain que ça marche. Donc, vous voyez, plutôt que de faire une étude avec l'INRA qui coûterait au moins 300 ou 400 000 euros, un truc sur 5 ans, enfin bref, c'est titanesque, pour ensuite avoir un package à vendre aux viticulteurs pour faire du fric en fait, hein, ils vont essayer de vendre un nouveau système. Là, je me suis dit, on va leur faire à l'envers, on va passer directement par les producteurs. Et si les producteurs, ça fonctionne, on fait des vidéos sur YouTube, ils vont se répandre l'info. Et personne ne leur vendra rien, ils auront juste à reproduire ce qui marche chez le voisin, quoi. Donc c'était un peu ça l'angle de... Donc voilà, au niveau des vignes, donc là, lui, c'est le rouge, eux, c'est le blanc, et derrière, c'est rose. Donc il y en a deux, c'est Rosetta et Reliance. Rosetta, c'est un raisin rose type chasselas doré ou type chasselas rose. Donc c'est un raisin tout ce qu'il y a de plus classique, un raisin de table, goûtu. Et alors que Reliance, lui, c'est un rose sans pépin qui a le goût de cassis framboise. Tout le monde n'aime pas ce goût foxé, là, le goût cassis framboise. Donc autant elle est plus intéressante parce qu'elle n'a pas de pépin. À votre avis, c'est quoi l'avantage d'avoir des raisins sans pépin? Raisins secs, non? Pour faire des raisins secs. Sinon, ouais. tu fais des crackers. Et donc, le premier raisin sec au monde, c'est Sultanine, qui un jour s'est mis à faire une branche, une tare génétique, hein, à faire une branche, et elle faisait pas de pépins. Et donc, du coup, bah, ils l'ont bouturé, ils l'ont greffé, ils l'ont multiplié. Et là, c'est un petit peu pareil, ils vont essayer de faire en sorte de récupérer les tares génétiques. Alors, au niveau des générations futures, c'est un peu chiant parce qu'on ne peut pas le ressemer. C'est un raisin qu'on peut que multiplier par bouture ou par greffage. Mais par contre, ça permet de faire des raisins secs un peu n'importe où. Parce que le Sultanine, c'est valable qu'en Turquie. En Provence, à la Côte d'Azur, il arrivera peut-être à maturité, mais quand il arrivera à maturité, tu pourras plus le faire sécher. Et donc, ce qu'il faut, c'est un raisin qui va être très précoce, quoi. Et donc là, ça permet d'avoir un raisin non seulement très précoce, résistant aux maladies, mais en plus qui donne des raisins secs, goût cassis framboise. Sympa. Donc ça c'est une vigne qui a été récupérée par Martin Crawford, l'autre spécialiste des jardins forêts en Angleterre, qui a chopé ça dans le parc de Spetchley. Donc c'est une vigne qui est très résistante aux maladies, qui donne un raisin type muscadambour. C'est très rustique et donc du coup c'est une variété qui est quand même assez intéressante. Donc là si... Je ne sais pas si vous voyez, mais un peu partout, il y a des haricots qui poussent là.
Et ça, ils sont plantés au pied des vignes, ils sont plantés au pied des plantes qui sont gourmandes en azote. Donc lui, il fixe l'azote et il a un autre avantage, c'est que c'est un haricot qui est vivace. C'est un haricot qui repousse tous les ans. Donc là, c'est pas des semis que j'ai fait, c'était des racines que j'ai récupérées sur l'ancien lieu au château de Danne et qu'on a replanté en même temps que les artichauts, en même temps que tout le reste. Donc c'est planté dans des grillages pour être sûr que les campagnols ne viennent pas manger la racine en hiver. Parce que ça m'est déjà arrivé d'en perdre plein, des artichauts et des haricots, à cause des rongeurs. Donc du coup, là ici, on n'est pas trop embêté par les rongeurs. C'est un peu la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est qu'en fait, il y a la voisine qui fait un élevage de chats. Et il y a en moyenne 4-5 chats qui rôdent dans le truc toutes les nuits, quoi. Donc du coup, on n'est vraiment pas emmerdé par les rongeurs. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de ne pas avoir des trous de galeries de campagnols partout. Donc s'il y en avait, là, les grillages, ils serviraient vraiment à quelque chose. Puis comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème, j'ai arrêté d'en mettre. Et donc ça permet d'avoir sur 1 mètre carré de surface de pouvoir récolter peut-être, je sais pas, l'idéal ce serait de pouvoir avoir un ingénieur agronome qu'on pourrait payer pour venir quantifier ça et dire pour l'autosuffisance alimentaire sur 1 mètre carré de surface avec un peu de fumier, un peu de broyat, travailler le sol et tout planter ensemble, on arrive à tant de kilos au mètre carré de production sur tant de types de fruits. Et quand on voit que les haricots verts, c'est vendu combien, 6-8 balles le kilo en bio. Les framboises, on est à 12, voire 15. La vigne, on est en général aux alentours de 4-5 euros le kilo. Et donc du coup, si on... À mon avis, là, une zone comme celle-là, ça produit jusqu'à une vingtaine de kilos de fruits entre les légumes et plantes diverses, entre ce qu'il y aura au pied et ce qu'il y aura au-dessus. Comment ? Ouais, c'est ça fait une centaine d'euros par mètre, quoi. Donc pour le je parle bien pour le particulier, hein, parce qu'un professionnel, il va pas se faire chier à aller grappiller les framboises au milieu des haricots verts. Lui, il vaudrait mieux faire des haies fruitières où il y a que 3 types de fruits et il récolte tout en masse, quoi. Là, c'est vraiment pour l'autosuffisance, pour les gens qui ont un jardin de 100 mètres carrés et qui veulent avoir le maximum de types de fruits. Donc là, dans les plantes intéressantes qu'on peut voir... Portées par les Anglais, par la reine-mère au 18e, et ça fait des petites baies qui sont comme des cassis, mais qui ont un goût de fraise qui est plus prononcé que les fraises. Marrant, c'est un goût de fraise plus fort que la fraise. Alors ça, c'est un chou vivace, c'est le chou d'Aubenton. Donc là, il va pas tarder à se faire attaquer par la pierrite du chou. Donc là, ce qui fait les petits trous partout, c'est les altises. J'ai pas encore trouvé la solution contre les altises. Pas encore, mais hop, je sais pas si vous voyez ça. Là, il y a un insecte qui tourne autour là. Et ça, c'était un hyménoptère parasite, lui là. Ça là, quasiment toutes ces bestioles qui volent super vite et nerveusement, c'est des hyménoptères parasitoïdes qui vont venir parasiter les autres bestioles. Donc là, c'est à moi d'observer pendant les prochaines années qu'est-ce qui bouffe l'altise. Et une fois que j'aurai trouvé une bestiole qui bouffe l'altise, qu'est-ce que bouffe cette bestiole à part l'altise? Parce qu'il y a de grandes chances que. Ça peut être soit un prédateur de l'altise qui mange l'altise, soit c'est un parasitoïde qui vient pondre des œufs dans les larves des altises. Et si c'est un parasitoïde, la majorité du temps, ils sont nectarifères. Donc ça veut dire que c'est un insecte qui butine et quand il se reproduit, il va réguler ta plante. Mais si t'as pas les insectes, si t'as pas les plantes pollinisatrices, si t'as pas les plantes à petites corolles que va venir butiner cette petite bestiole, et ben t'as pas la bestiole. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution pour l'altise, mais par contre, j'ai trouvé la solution pour la pierrite du chou. C'est une mouche braconide qui les mange, enfin qui les parasite. Et il y a certaines années, en fait, j'ai eu mes choux, ils étaient complètement déplumés. Et c'est essentiellement des fleurs jaunes à petites corolles. Donc des plantes comme la tanaisie, des plantes comme, il va y avoir la lampsane par exemple, hein, qui fait comme un pissenlit, qui fait plein de petites fleurs jaunes. Et ça va attirer l'insecte, qui fait que quand... Vous sentez cette odeur de chou là? Ou il n'y a que moi qui suis à côté? Moi je sais que ça me bouffe tous mes choux là, à chaque fois que je passe à côté je trouve ça chlingue, ça sent le chou pourri quoi. Ça sent... Et bien cette odeur, les insectes parasitoïdes, ils les repèrent super loin, parce qu'ils savent que si le chou il pue ça, ça veut dire qu'il est en train de se faire attaquer, et donc ça veut dire qu'il y a à bouffer pour lui. Et si vous acceptez pas de perdre, vous êtes sûr, cette année je mets un coup de petite pied, j'ai tous les choux, ils sont pour moi, mais l'année prochaine je repars à zéro.
Et je vais devoir tous les ans remettre le pchit-pchit, quoi. Vraiment bien connaître les plantes, voir lesquelles sont les résistantes à la sécheresse, lesquelles sont faciles à reproduire, comment les reproduire. Et c'est ça qui m'a permis de faire beaucoup de tests à moindre coût. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette société, on est terrorisé par l'échec. On veut tout réussir. D'ailleurs, si vous êtes venu ici, c'est certainement pour recevoir un kit clé en main pour être sûr de ne pas vous planter chez vous. Non ? On n'a pas qu'il y avait un peu cette attente. Donc c'est très très souvent en fait qu'on voudrait, plutôt que d'apprendre à comprendre les mathématiques, on veut le résultat. On préfère avoir un résultat qu'avoir compris le chemin en fait. Et c'est vrai que quand on achète une plante et qu'elle vaut 15 balles, et que tu la mets en te disant bah tiens je vais la laisser crever pour voir si elle crève. À la fin quand elle est morte tu te sens un peu con. Et parce que ce que tu voulais, au final, tu mettais une vigne, tu voulais du raisin, en fait. Tu voulais pas tester pour voir si elle meurt. Moi, ce que j'aimerais, en fait, à la suite de cette visite, si j'avais pu vous transmettre quelque chose, ce serait l'art de rater jovialement. L'art de faire des tests qui vous coûtent pas grand-chose, donc des erreurs qui vont pas vous coûter cher, mais qui vont vous permettre de faire plein de conneries. Donc, vous voyez, quand on a récupéré les oignons vivaces, les oignons égyptiens, ceux que vous avez vus, c'est une bulbille que j'ai récupérée il y a 13 ans. C'était un petit oignon que j'ai pris chez une copine dans le sud de la France il y a 13 ans. Je l'ai multiplié, je l'ai mis dans un pot, j'en ai fait à peu près 50-60 oignons. Quand j'en avais 50-60, j'ai testé de les planter dans des endroits secs, des endroits humides, des endroits complètement à l'ombre, des endroits complètement en plein soleil. Et ça ne me coûtait rien. Pourquoi ? Parce que j'avais 60 oignons en pot qui me faisaient à peu près 200 bulbilles tous les ans. Et ça ne me coûtait pas beaucoup de temps d'aller faire et là, et là, et là, et là, et on verra bien. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de faire énormément d'expériences, qui me donne un coup d'avance, on pourrait dire, par rapport à beaucoup de gens. Parce que j'ai pas peur de planter un haricot et qu'il ne produise rien. J'ai pas peur de planter trop de plantes et puis que ça s'étouffe. J'ai fait la connerie et ça ne me fait pas peur, en fait. Et c'est grâce au fait d'avoir raté jovialement pendant tant d'années que je reste jovial. Et que j'ai plein de réussites. Là, vous voyez le résultat de tout ce qui marche. Mais si vous aviez vu tout ce qui n'a pas marché, il y a de quoi vous décourager si vous vouliez réussir du premier coup. Vous voyez où je veux en venir? Et donc ça, cette pépinière, elle m'a permis, et c'est pour ça que j'enseigne aux gens à multiplier les plantes dans les formations, je vous enseigne à rater jovialement, à vous donner les moyens d'avoir une abondance qui fait que vous faites des tests qui ne vous coûtent pas cher. Les premiers qu'on volait sur Terre, c'est les frères Wright. Pourtant, ce n'est pas ceux qui sont restés dans l'histoire. Ceux qui sont restés dans l'histoire, c'est ceux qui ont déposé les brevets. Et celui qui avait déposé les brevets, il venait de grandes écoles d'ingénieurs. De genre de contexte où quand tu fais une connerie, tu t'en veux. Parce que oui, quand tu sors de la meilleure des meilleures, des écoles, du truc, de machin, tu n'as pas envie de faire de boulettes. Et puis tout le monde te regarde. Donc ça veut dire que le journal est là, tu fais un truc, ça ne marche pas, tout le Times est au courant dans la semaine, quoi. Alors que les frères Wright, c'était des paysans qui s'amusaient, enfin qui passaient leur temps à bricoler des tracteurs et des trucs, qui passaient leur temps à faire conneries, sur conneries, sur conneries, sur conneries, avec des matériaux qui leur coûtaient rien, parce que le père avait une ferronnerie et un truc. Et donc ils ont fait énormément d'essais-erreurs, et c'est ce qui fait que c'est les premiers à avoir volé. Et après, les autres, les ingénieurs, ont récupéré le savoir, ont déposé un brevet, et c'est eux qui sont restés dans l'histoire. Mais ceux qui ont créé l'aviation, c'est les frères Wright. Et parce que l'erreur coûtait pas cher. Donc si je pouvais vous transmettre ça, ce serait ça. L'art de faire des erreurs et que ça vous coûte pas cher. C'est pas grave si vous ratez, c'est le chemin. Imaginez si un gamin, il est à quatre pattes, tu lui dis attention, hein, tu réussis du premier coup et tu tiens. Il restera à quatre pattes jusqu'à la fin de ses jours. C'est l'essai-erreur qui fait que tu tiens debout. Et imaginez si l'erreur coûtait cher. Si à chaque fois que le môme, il tient pas debout, paf, tu le punis, pas de dessert, tu dors pas cette nuit. À la fin, tu te recroques vite, tu veux plus rien faire. Et je remarque que beaucoup de gens, c'est ça, ils sont complètement crispés, ils veulent rien tester parce qu'ils veulent pas se tromper, quoi. Et donc si on mettait de la douceur dans le fait de rater, de dire « Ah tiens, je vais rater ce truc-là, et rater ce truc-là, et tiens, je voudrais voir. » Vous voyez, par exemple, vous avez déjà entendu parler des calendriers, là, les jours feuilles, les jours fleurs, les jours racines, des jours où faut pas greffer, des jours où faut greffer. Bah, du coup, j'ai pris le calendrier de Maria Thune. Et pour le greffage, elle disait, il ne faut pas greffer en lune descendante et surtout pas sur les points lunaires. Alors du coup, j'ai pris le calendrier, j'ai fait, où est-ce qu'il y a un point lunaire en lune descendante? Et je faisais 30 greffes par jour sur ces journées-là.
pour voir. Si j'ai quasiment 90% d'échecs à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, ça valide ma riatune. Et donc, je suis content. J'ai validé, elle a raison, écoutez-la. Par contre, j'ai eu des 50, 60, 70, 80% de résultats. Et du coup, j'ai mon cadeau. Greffé n'importe quoi, on s'en fout. Observez. Dans les deux cas, je suis gagnant. Par contre, si ce que je voulais, c'était réussir ma greffe, là, dans ces cas-là, j'écoute la religieuse Maria Thune, je fais comme il faut, et puis j'espère que les dieux soient avec moi, quoi. Alors que là, je cherche à comprendre. Et à l'heure actuelle, j'ai pas compris pourquoi ils disent ça. Parce qu'en fait, c'est des histoires de montée et de descente de sève. Et c'est juste une histoire que la plante va pousser plus vite si tu le fais au bon moment. Donc en fait, c'est des astuces de pépiniériste pour que ça pousse plus vite. Mais nous, les amateurs, on s'en fout que la plante, elle pousse plus vite ou moins vite. C'est pas... L'important, c'est que ta graisse, elle prenne, en fait, dans le fond.